Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le deuxième épisode de The Evil Wasing Home. Ah mais oui, je vois où on est maintenant, c'est là où la caméra de surveillance où on était, où t'avais le mec qui a buté tous les flics. Bon. On peut pas courir, non, on peut que marcher, ok. T'as la monnaie qui me chatouille, ça me fait chier. C'est quoi ça? Ah voilà, là je peux courir. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va sortir. Je sais pas si c'est par là, mais je m'en fous. Ah si. Ah, ça se propage sur le monde actuel. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il attend? Bah oui. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Ah ouais, carrément. Ah. Ah voilà, l'inspecteur. Ouais, Joseph. Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Eh bien, pas là. Calme-toi, Leslie. Merde. On pourra pas y retourner. Non, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y retourner? Bah, tu démerdes, l'autre. Hein. Ça part sur un délire à la fire là. Fire et un petit peu à Devil May Cry aussi. On dirait que les lèbres rentrent dans le monde actuel. Parce qu'il a même pas une personne dehors, c'est what the fuck. On dirait que tout le monde est mort. Voilà Silent Hill plutôt. C'est trop ça quoi, c'est trop bizarre. On dirait qu'ils sont tous disparus. Eh, y'a plus personne. What? Merde. C'est quoi ce délire? Ah ouais, faut pas partir. Faut pas perdre l'est, hein. Waouh. Ah, c'est l'apocalypse, hein. Putain. C'est même plus un tremblement de terre, ça. Tu vas pas me dire que c'est quand même l'autre avec la cape qui fait ça, quoi. Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Comment ça va à l'arrière? Quelques bleus, mais ça va. Ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ah, il est pâle, hein. Un peu plus loin et tout ira bien. Ah. Ça va pas. On tombe. What? C'est quoi cette merde? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? On tombe. Il y a mon cerveau qui se décroche, franchement. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Ah ok, donc c'est un système comme ça pour sauvegarder. Faut finir le chapitre. Allez, voilà. Oui. Retour. Chapitre suivant. Ok. Utilisez le terrain pour les abysses autour. Ouais, bah ouais. Mmh.
Il est défoncé. Moi je crève de chaud. Bah ça fait mal aux yeux. Ah c'est bon, hein, pas une demi-heure pour... Surtout qu'ils ont pas l'air d'être très pressés de me soigner. Hein. Ah. Bon en fait, ils s'en foutent. Attention, je crois qu'il va y avoir un mutant qui va m'attaquer. Il est peut-être en délire. En plein délire. Oula. C'est quoi ça? Ah bah c'est le chauffeur. Ah j'ai un gun maintenant. Non. Non j'ai pas de gun. Des corps découverts dans un village du bord de lac, la cause du décès reste un mystère. Plus d'une dizaine de corps mutilés retrouvés dans le village Tel Craver, plusieurs habitants portés disparus. Ok. Ouais, donc le genre de virus se propage, le monde entier est touché, mais bon, il va falloir m'expliquer c'est quoi les tremblements de terre, what the fuck, là. Ah, dans les chiottes, là, truc. Hey, y a quelqu'un? Ah non. Je suis défoncé. Ouh, des cafards. Faites pivoter la caméra. Gauche. Ça va, tu vois la... Ah. Bonjour. On est réveillé. Tous les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. Ah. Bon, elle a l'air gentille, celle-là. Ah oui, la chaise et tout. Ok, je vois, ouais. Ce lieu est important. Je me rappelle de cette partie, bah, de l'endroit quoi. C'est un genre de safe zone. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas. Voilà, ta gueule, j'ai signé. Voilà, c'est le genre de safe zone. Sauf qu'on vient de sauvegarder juste avant, c'est pour dire. Nous ne pourrons pas conserver vos prochains souvenirs. Veuillez me suivre. Ouais, donc dès que je meurs, je réapparais ici, c'est pas mal. C'est une bonne idée pour sauvegarder. Par rapport à... Ah oui, on est dans un hôpital, trop du cul. Attends, TV, là, avec sa machine à écrire, c'était what the fuck quand même. C'était... Ça n'avait pas été vraiment cherché hein, comme idée. Tout va bien. Détendez-vous. Détendez-vous. Mais je suis détendu. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour votre bien. Lobotomisation. Non, arrêtez. Vous voyez? Voilà. Ouais, je vais me prendre une décharge, mais c'est rien, tout va bien. Est-ce que je deviens dingue? Un petit peu. Ça va, tu le prends bien. Je vous attends. Ah. Ah. Bon, là ça me fait penser à Resident Evil 4, je crois. Ou 6. Où on est, on finit dans l'ambulance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais plus. Non, ah non, c'est le sec. Ouais, c'est sec, le Wesker, je crois. Je sais plus. Kidman, où êtes-vous? Le mec, y a que ça à foutre de faire un espace. Les coopératifs. On ne connaît pas le jeune du mec que côté à cette soirée de voyage, mais il restaure modérément la santé. Ouais. Ok. V pour Valapa, ainsi des raccourcis.
Alors, créer raccourci. Voilà. Attends. Ah, ok, quand j'ai rien dans la voiture, je peux pas. Okay. Je peux pas y accéder là. Non. Bizarre. Et si je laisse appuyer? Non plus. Bon. Par contre, ils ont tous foutu le corps sur moi, c'est vraiment sympa. Ah. J'ai pas de lobe de poche? Ah, ils m'ont emmerdé. Tu fais sec, ça m'emmerde à chaque fois. Bon ouais, par contre tu fais dark là, tu peux pas faire une torche, je sais pas moi. Faire quelque chose au moins. Bon. Ça a l'air bon. Ouais, c'est trop vrai, écoute, laisse tomber. Va prendre une éternité. Attaque au corps à corps. Ok. Ah, y'a un truc qui a bouffé quelque chose, c'est quoi? Une vache. Ah. Je crois qu'il parlait de ça, non? Ouais. Ok. La kékèse. Ouais, bah là, il fait trop noir, mec. Franchement, j'ai abusé, là. Qu'est-ce que tu veux avoir quelque chose? Faut rester dans la lumière, mais bon... Ça se fait, il y a des objets cachés, je les vois même pas. C'est pénible. Je pense pas qu'ils ont fait les bâtards à ce point-là, mais on sait jamais. Moi qui aime bien te fouiller, là, je serais pas fouillé. Il y avait un truc là, non? J'ai pas le temps de voir. Là, on part sur Amnésia. Ah, je ne pense pas qu'il était en vie celui-là. Vu tous les pics qu'il y avait. Il est en train de se faire vomir? Ou il est en train de bouffer? Ouais, il y en a looté. Ta 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 ta. Ça a l'air bon. Ah. Conley. Ah, il est en train de bouffer chez... Ah, c'est pas le médecin. Si. Ouah, il a bien bouffé. Ok, ok. On le défonce! Ah non, c'est lui qui nous défonce. On l'enflamme. Comme ça, on est sûr. Par contre, je vais quand même remettre le pointeur parce que c'est vrai que si on doit faire des tirs de précision, ça va être compliqué. Parce qu'à mon avis, on fait plus de dégâts à tir dans la tête, donc voilà, réticule de visée. Je vais le remettre. Ouais, parce que je vais gaspiller bêtement des balles sinon. Ah bah, il y a un petit morceau, ton copain. C'est quoi ça? Conserve. Ok. Il a plus rien. J'aime bien parce que quand il s'est retourné, ça faisait vraiment pas sa raison à là. C'est trop stylé. Voilà. Ok, on va faire gaffe. Par contre, maintenant que j'ai de l'orbe torche, je peux pas l'utiliser. Ouais, je vais augmenter la luminosité, c'est pas possible franchement de jouer à ces conditions là.
Voilà, j'ai monté à fond la luminosité parce que c'est abusé là. Ouais, rien. Ça fait mal, ça fait mal. Oh là. Ouais, faut éviter de toucher ça. Prévenir du piège. Leslie, c'est ça? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider. Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? À l'hôpital. À l'hôpital. 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 Ça c'est moi dans 2 ans si j'arrête pas de jouer à Heroes. Ah. Ok, on récupère des pièces. Pièces détachées obtenues. Les pièces détachées sont nécessaires pour fabriquer des carreaux pour la bête d'agonie. C'est obligé d'utiliser de l'écran inventaire. Hop, 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 hop. Ah, il faut appuyer juste une fois, ok. Ok, 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 ok. Alors, j'ai bille truc. Équipé, utiliser la formation. Alors, multiplicateur, cartouche, précision, coup critique, visée, recharger. Ouais, bah le revolver, c'est bien. Ça veut plus de dégâts. Non, non, rien de vous à petit Beretta. Chris, lui, l'avait compris. Faut jouer sur la quantité de balles. Non, le Magnum, il fait son rond à fou aussi. Sprinter consomme de l'endurance. Ouais, j'ai remarqué. Sauf que j'ai plus de bastos. Ah. Approchez-vous d'un sol et utilisez l'allumette pour l'enflammer et le réduire au sort. Si les ennemis sont suffisamment proches, vous pouvez tous les brûler avec une seule allumette. Il existe d'autres objets flammables en dehors des corps. Ok. Ok, ok. Aïe. Voilà. Et non, alors les brûleurs, ils savent qu'on récupère l'huile, c'est ça? Non. Ok. Papa, papa, papa. Ah, attends, une petite cache secrète? Non. Ah, j'ai spuré. C'est dommage. Wow. T'as peur, hein? Tu m'étonnes. Ça rote fou. C'est quoi ça? J'ai enfin obtenu mon insigne de réinspecteur Sébastien Castellanos. Ça sonne bien, il aura fallu le temps, mais après ce que j'ai compris, j'étais l'un des plus rapides à monter en grade. J'ai hâte de commencer, je serai beaucoup plus utile au poste d'inspecteur qu'en tant que policier de quartier. En plus, pas besoin de porter leur uniforme ridicule et ça paye un peu mieux. La police de Crimson City a besoin de toute l'aide possible. Ces derniers temps, la criminalité a explosé, c'est ma ville et je dois la protéger. Je me dois de la protéger. Du mal à lire. Merde. Ça, c'est la musique de Twilight. Ça. C'est quoi ce jeu? Ah, mes yeux. Merde. Encore ici. Ah, mais t'aimes bien. Je crois que je perds la tête. Tchao blague, même moi je la perds. Quoi. T'es bien fou sur ce jeu. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Et ça, toutes les portes là, on peut pas rentrer. Non. Je ne sais plus si je rêve ou pas. Quelque chose ne va pas. Ouais. Je deviens fou, madame. Je perds la boule. Accepté. Ah, il se rebrôle en fait. Le mec aussi se rebrôle. Il demande poliment et lui, c'est va se faire foutre. Alors. Quoi, je dois faire un petit tour à la chaise? Ah ouais. Ouais, c'est vrai, il faut que j'utilise mes poids de cervelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut monter? Jauge de sortie, temps de sprint, attaque. C'est quoi ça, stock? Munitions. Voilà, quand une munition supplémentaire pour la pistolet, vous pouvez transporter. Grenade, serrec, allumette. Ouais.
Multiplicateur de dégâts, coup critique. Plus 20%. Ah, de toute façon, j'ai pas. Carlos de tir, ouais. Capacité de chargeur, ça c'est pas une balle. Putain. C'est pas plus rare, hein. Précision, coup critique, combien à 10%? Pas terrible, hein. Ouais, on va plutôt faire ça. Voilà. J'adore comment il se fait électrocuter. 20 balles de plus, c'est toujours ça, ça peut te sauver. Ah, faut laisser appuyer. Na 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 na. Alors, on va me choper dès que je vais sortir. Ah, c'est bon la musique, j'ai compris. Bon, allez. Sprintons un peu. Oh merde. Ok. Son pote a fermé la porte devant sa gueule, il est plus court, il est pas content. Attaque de furtivité, X et barre d'espace, ok. Oh oh. Allez, on le baise. Voilà, c'est bien. Quoi que j'ai ramassé? Je sais même pas. Inventaire. Je sais pas, ça a pas fait le bruit du gel, donc je sais pas. Je crois que c'est une munition, mais non. Voilà dans le buisson? Non. Ah ouais, ok, ils savent pas ouvrir les portes en fait, les monstres. D'abord, quand on va rester accroupi. Ah, mais non, c'est l'autre. C'est le fou furieux. Pourquoi, ce que je comprends pas, c'est que. Genre quand je suis arrivé, il était à, bah il attendait en fait. Il attendait pour faire l'interaction du courrier. Ah la grosse blague. Bon. Pourquoi utiliser des allumettes quand on a du feu partout? Je sais pas, tu prends une torche hein. Ce sera encore plus simple. Ça a pété ça? Ah. Bah voilà. Une clé, je sais pas pourquoi, mais on a une clé. Arrête dans ces caisses de merde. Pourquoi je me fais chier à les casser, franchement. Ah, il est tout seul. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... Je ne peux pas continuer. Ah!
carrément. Oh, t'es magnifique aussi, toi. T'es de toute beauté. Pas si elle a entendu. Moins un. Ah, il m'a pas donné de gel, ok, c'est une fois de temps en temps qu'il se redonne. Voilà, ça peut servir. Est-ce que je peux me déplacer pendant ce temps-là? Ouais. Donc limite il va reprendre son parcours, c'est ça. Bien. Voilà, c'est ça, il a repris son parcours. Voilà, reposant aux pièces. Ah, génial. Bon, des jolies fleurs. Oh, c'est mignon. Faut faire gaffe, il y a peut-être encore quelqu'un. Quoi, j'aime bien quand même savoir à quoi ça sert de brûler les... Se cacher. Ah bah tiens, yes, pouvoir récupérer des minerais. Voilà. Toujours ça de gagner. Oui, parce qu'ils ont l'air d'être morts, donc à quoi ça sert de gaspiller des allumettes? Autant les garder, non? C'est pas très bien expliqué ça. Que si on les tue, on récupère le gel, mais les cramer, ça sert à quoi? Le château de Poudlard. Rien qu'à le regarder, je me sens attiré dans sa direction. Ouais. Faudrait aller couper la lumière. Ça rend fou. Non. Alors, la charrette. Il y a dedans, nous. What, attends, il a l'air d'en avoir en masse là. Wow, c'était sur des lumières. Ouais, on va tous les tuer et puis on va fouiller. Sans plus simple. Écoute, lui il est très mal. Pardon, il est très mal mis. Enflammé? Ah, ok, les ballots de paille. Lol. Pas gaspiller une amulette là-dessus, moi. Tu veux que je fasse ça? Ouais, il est chiant celui-là, il est mal mis. Faut que je me foute derrière le mur. Voilà. What the fuck, c'est quoi ces yeux là? Ces yeux de lampadaire. Voilà, maintenant. Je te baise.
ramasser. Je vais aller me faire l'autre. Des âmes, c'est les pieds. Les pieds jaloux. Ok. Ou alors je peux les attirer dedans. Ça peut être un bon moyen aussi. Doucement, doucement. Voilà. Mais non, gaspille pas ton allumette, utilise ta torche, mais t'es con toi. Ah mais on peut peut-être pas. Écoute, là encore une baraque là, je sais même pas pour où il faut que j'aille. Ouais bah écoute, on va s'occuper de la baraque là. J'ai quand même mal à récupérer ce qu'il y avait dans la maison. Oh merde, il se rapproche, l'autre con. Ah bah non. Ouais, j'ai l'impression qu'il est prêt, mais en fait, non. Ok, allumette. Merde, la torche. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais je trouve ça quand même con qu'on peut pas... utiliser la torche pour... Ah, je peux me cacher sous le lit et tout. Merde. Elle est où ma torche? Ah. Oula, c'est quoi cette vue? Ok, lui il est toujours en vie. Pas mal. Ok. Je savais pas qu'on pouvait péter ces caisses là. De toute façon, hein, avec tout le boucan que je fais, il serait déjà réveillé depuis un moment. Logiquement, elle m'a pas vu. Voilà. Lol, le mec il promet le cadavre. Excellent. Quoi, une clé? Ok. Il y a d'autres?
Non. Par contre, j'ai oublié ma torche. Blabla. Non. Je pense que j'ai rien oublié. Par contre, il a une endurance de merde. C'est quoi ce policier là? Quoi qu'il s'est goinfré toute sa vie de. des donuts? Ok, j'en entends du côté gauche là. Ok, il est juste là lui. Non, je vais plutôt attendre de voir un petit peu ce qu'il fait. Mais il en a juste là aussi. Il m'a pas vu. C'est pas ça que je voulais faire, mais merci. Putain, et c'est chaud pour se retourner. Là, tu vois pas le. Putain, et c'est chiant, franchement. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. V. Voilà, on profite. Donc j'ai pas ma vie en max. Pour l'instant c'est assez simple. Il est dans la baraque. Faut que j'arrive à la tirer à l'extérieur. Ah, j'ai réussi. Ok, c'était pas ça que je voulais faire. Merde, j'ai plus d'endurance. V. Ok. Je croyais qu'elle allait pas me voir dans le buisson, mais elle m'a bien capté. Par contre, j'avais oublié ma torche. Voilà. Chier, je crois qu'il allait pas me voir. Moi. Allez, prends. Ah, s'il est à piège là. Ah, il y a qu'à remettre la dynamite. Je pouvais la récupérer. Avec toute la dynamite qu'il y a là, mon gars, il y a moyen de faire un feu d'artifice. C'est con que je peux pas récup.
Voilà. Pourquoi tu faut faire gaffe au piège à l'eau? Ok, c'est l'eau. Je me disais, il y a un truc dehors qui est tout près. Je crois qu'on est bon. On a tout nettoyé. Merde, j'aurais dû les cramer, c'est ça? Pas le temps, pas le temps. Voilà. Ok, donc c'est pour me rappeler que des fois ils peuvent venir donc. Mais je pouvais pas quitter la roue, j'ai pas compris. Ou alors c'était prévu et il fallait que je le fasse plus vite, je sais pas. Faut que tu quand même reprendre de la vie. Voilà. Putain. Fait plus de bruit, tiens. Ouais, par contre, oh... Ok. Ouais, oui, sans santé. Ah non, il y en a là. Ah, il y en a même deux. Trois, quatre, oh t'as une meute entière là. Ok. Ouais, ils sont tombés pour les buter, ceux-là ils sont trop nombreux. J'abandonne. Putain. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi. C'est clair. Continuez à bouffer. Ah, lui, par quoi tu vas me poser des petits soucis? Attention à ton cul. Non, lui, il s'est relevé. Ok! Cours, cours, cours! Mais cours! Non, mais j'y crois pas, mais hé! Hey, franchement! Merde, faut pas que je reste ici! Ah, ok, c'était scripté. C'est pas vrai! C'est pour ça que je peux dire. Ouais. Oh! GG! Imagine un petit peu que j'ai plus de balles dans mon pistolet. Hein. Imagine! Et que la cinématique fait quand même que je tire. T'imagines le. Comme le jeu est cassé. Ah, ils auraient pu finaliser un peu hein, quand même. Le mec qui râle tout le temps. Bon, chapitre 2 fini. Putain, ouais, bah, j'en ai bien pour une heure. Oh, je vous dis même pas le montage. Ça va être chiant. Mon avis sera en deux parties, celui-là. Deux parties du chapitre 2. Enfin bon. Allez, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un petit peu tendu, ça allait. Mais le coup du buisson, là, putain, je croyais que j'allais être camouflé. Je sais pas, il était assez épais, donc je suis quand même étonné que la bestiole me voit. Bon, c'est un monstre, tu vas me dire, donc c'est un peu logique. Bah, moi je le sais comme ça, voilà. Mais on s'en est plutôt bien. On s'est bien débrouillé. À part pour le pont-levis là. J'avais pas vu en fait au début, j'ai laissé appuyer sur la barre d'espace. J'avais pas remarqué qu'il fallait appuyer comme un dégénéré dessus. Sinon, je pense que j'aurais pu. Mais ils auraient pu passer de toute façon, vu que le pont-levis met du temps
Ah, c'est pas le pont-levis, c'est... J'arrive plus à trouver le nom. La barricade. Mettait du temps à descendre, donc ils seraient quand même venus me chercher, donc... C'est vraiment pour se dire que, bah, quand ils sont nombreux à côté de l'autre, il faut les cramer. Et c'est bien. C'est bien. J'aurais dû les cramer, mais bon. C'est mal expliqué pour les allumettes, franchement. Même pour les bottes de pêche, je comprends pas pourquoi les brûlent. Peut-être qu'il y a un truc caché, mais... Pour l'instant, j'ai rien vu, donc... Va bien. Pas bon. Allez, je vous donne une très bonne soirée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos petits likes. Ça fait toujours plaisir. Abonnez à la chaîne, si cool, vous plaît. Merci encore à vous de me suivre. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour du... Peut-être du héros, soit, je pense. Va bien. Allez, à plus. Hey gros, t'as changé. T'as fait des choses pas nettes, faut assumer. On te considérait comme la famille. Et tu nous as donné poteau, mon poteau, et poteau, mon poteau.